Après Youssouf Moulumbu et Leïma Tampi, le football club Saint-Éloi Loupopo réussit un autre gros coup sur le marché des transferts africains, signé le Gabonais Junior Bayano Bien. Si ces derniers mois, plusieurs gros cylindrés continentales, notamment le Wydad Casablanca, le Simba SC et le tout-puissant Mazembe le voulaient, l'ancien numéro 10 de Bouenguidi Sport évoluera en Linafoot Vodacom Ligue 1 avec les Cheminots. Le projet m'a été présenté, celui d'aller en Coupe d'Afrique. Et voilà, donc tout de suite, j'ai été intéressé. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à m'engager avec le Popo. Et puis, j'espère qu'on ira loin ensemble. Voilà. Je voulais dire, accenti à Monsieur le Président, aux fans du club et à tous ceux qui nous suivent, je suis très content d'être ici. Vous ne serez pas déçus. Donc voilà. Le Gabonais arrive en République démocratique du Congo avec des stats qui parlent pour lui. Pour sa première campagne africaine avec Bouenguidi Sport, le Neymar de Bitam, ou désormais le Neymar de Lubumbashi, a inscrit 4 buts pour 2 passes décisives en 6 matchs de Coupe d'Afrique. Bayano est en quête de défi, alors que le sélectionneur national des Panthères du Gabon veut insuffler un nouveau souffle à son équipe. Les Bleus et Jaunes, pour leur part, veulent repartir sur de nouvelles bases. Nous l'avons vu prester ici à Lubumbashi contre une équipe de la place et nous avons vu sa prestation, mais pas seulement cela. Nous avons fait un suivi permanent pour voir de quoi il était capable. Heureusement que vous-même, vous venez de confirmer de quoi il est capable. Donc c'est un joueur qui peut apporter plus. Junior Bayano Bien pourra apporter sa science du jeu dans une équipe qui veut désormais être la meilleure formation du pays. Et pour cela, elle pourra compter sur le nouveau king de Lubumbashi.